rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le bénissons ce matin dans ce mois de la prière fervente et efficace. Et c'est pourquoi nous allons ce matin voir simplement, découvrons les tactiques de Satan contre la prière. Pourquoi Satan ne veut pas que je prie? Et quelles sont les tactiques qu'il utilise pour que je ne prie pas? La Bible dit dans Jacques 5 et au verset 16. Jacques chapitre nous verset pila yobe. Jacques 5 verset 16. Jacques nous pila yobe. Dans la version Louis II, il est écrit là-bas. Louis II pour Abgoulsabé. La dernière partie, il dit bon, la prière fervente vente du juste à une grande efficace. Mais dans la parole vivante, il est écrit la prière fervente du juste a une singulière puissance. Alors mon frère, ma soeur, puisque la parole de Dieu dit que la prière du juste, l'homme qui craint Dieu, la femme qui craint Dieu, l'homme qui a accepté de soumettre sa vie à Dieu, la Bible dit que cette personne-là, sa prière est puissante. Et ça, c'est important. Sa prière est à une singulière puissance. Et si on avait la Bible en amplifiée en anglais, ce serait plus détaillé encore. Il dit que la prière du juste est foudroyante. Et le foudroie, elle foudroie les positions de Satan. Alors, c'est pourquoi tu comprends pourquoi Satan n'aimerait jamais que tu pries efficacement. Satan ne souhaiterait pas que tu sois un guerrier, une guerrière de prière. Il va tout faire pour que cela ne puisse pas se faire. Alors, c'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, on prend donc la parole de Dieu. Et puisque Dieu dit que la prière de juste a une grande efficacité, cela veut dire que je dois décider. Puisque Dieu n'a pas dit que lui, il est puissant tout seul, il dit que c'est ma prière, qui a une grande puissance. Ma puissance affecte le ciel, touche le trône de Dieu et revient rapidement sur la terre au travers du second ciel en résolvant certains problèmes que le second ciel tient en prisonnier et revient pour résoudre mes problèmes. Alors, ce qui veut dire que si je ne vis pas comme injuste, premièrement, je laisse les péchés dans mon cœur. Je laisse les péchés dans ma vie. Les péchés donc entre Dieu et moi et les péchés relationnels. J'ai décidé moi-même de ne pas être quelqu'un qui impacte ni le ciel ni la terre. On a parlé de ces gros péchés depuis quelque temps. Et nous avons vu que effectivement, à cause de cela, les oreilles de Dieu deviennent sourdes et sa mienne devient raccourcie. Pas par rapport à Satan, pas par rapport au monde, par rapport à mes prières que je fais lorsque je vis dans le péché, dans la rébellion, lorsque je ne pratique pas la crainte de Dieu. Et c'est le problème que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi Satan fait tout pour que ta vie de prière soit une vie de prière mitigée,
faible. Il veut t'empêcher d'expérimenter la puissance de la prière et la puissance de Dieu. Et alors, mon frère, ma soeur, si tu ne comprends pas ces choses-là, alors tu vas commencer à avoir des difficultés. Dans Ésaïe 38, un homme que nous avons déjà vu, et il a expérimenté cela. Avant de mettre le verset, d'abord je vais résumer. On a déjà parlé de cela, c'est la vie du roi Ézéchias. Qui a été un grand roi, un bon roi, qui a suivi les chemins de son grand-père David. Et un jour, vers la fin de sa vie, c'est ça le danger. Il a commencé à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et comme il persistait dans ça, alors Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour aller lui dire, n'oublions pas que Dieu nous prévient toujours d'une manière ou d'une autre. Il nous parle d'une manière ou d'une autre pour nous avertir, pour que nous nous départissions de nos attitudes mauvaises, de nos mauvaises relations. Mais beaucoup de gens pensent, ils confondent la patience de Dieu avec vraiment une bonté d'un grand-père. Pierre dit qu'à cause de sa bonté, Dieu patiente envers nous lorsque nous vivons dans le péché et que nous ne voulons pas nous retirer. Il est patient, mais le jour viendra où il va lâcher. Et à ce moment-là, aucune prière ne peut prévaloir pour notre vie sur terre. Et le prophète est allé dire à Ézéchias, il dit, prépare-toi parce que Dieu dit que ça n'est fini de toi. Et Ézéchias s'est assis, il s'est souvenu de ses attitudes mauvaises. Il a vu que la fin de sa vie n'a pas honoré Dieu. Ézéchias était un grand conquérant. C'est un homme qui a restauré tout dans le temple de Dieu. Et à cause de ça, il s'est appuyé et il est devenu un peu orgueilleux. C'est l'orgueil qui, frères et sœurs, qui font que parfois nous avons des difficultés. Parce que nous pensons que nous avons servi Dieu, nous avons fait ça pour Dieu, et nous nous basons cela pour poser des actes qui peuvent nous nuire. Et quand le prophète a dit, sachant, connaissant bien le prophète Ésaïe, l'homme qui a annoncé donc la naissance du Messie par une vierge, l'homme qui a eu toutes les grandes prophéties concernant le Messie, et il parle sur toi, ça veut dire que ça va se passer. Si ce qu'il dit là, en étant, ce n'est pas réel. Donc Ézéchias a pris ça au sérieux. Si c'était n'importe quel prophète, un petit plaisantin, il allait dire, oh, peut-être c'est faux. Quand il a vu que c'est Ésaïe lui-même, l'homme que Dieu a utilisé pour prophétiser la venue du Messie, bien que le Messie ne soit pas encore venu, il a commencé à donner les caractéristiques du Messie. Alors Ézéchias a dit, il vaut mieux commencer à entrer dans une prière violente. C'est sûr et certain, ma mort est arrêtée par Dieu dans sa volonté, son plan, c'est-à-dire que je dois mourir. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que Ézéchias va présenter à Dieu? Quand il a fini de plaider, il a fini de confesser ses péchés. Il a reconnu qu'il a péché effectivement. Il a tourné sa face vers le mur. Il a commencé à
plaidé sa cause, il a commencé à argumenter la prière argumentative. Il a argumenté avec Dieu. Il a placé des paroles exactes. Il a reconnu ce qu'il a fait, ce qu'il est. Il a continué à parler. Et il a versé d'abondantes larmes pour montrer sa sincérité. Pour montrer qu'il ne veut pas, il ne se répand pas simplement pour vivre. Il s'est rendu compte qu'il Et s'il meurt, il doit rencontrer Dieu. Est-ce qu'il est prêt? Tous les arguments tombent à l'eau dans votre propre justice quand vous savez que votre mort est certaine et qu'elle est à côté. Vous savez que vous allez le rencontrer. Vous ne pouvez pas dire c'est à cause de lui là que je suis. Non, non, non. Vous commencez à rentrer en vous-même. Vous ne regardez pas les actes des autres envers vous. Et puisque la Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que je me suis préparé? Est-ce que je me suis préparé? Est-ce que mes relations avec les autres sont bonnes? Est-ce que j'ai avoué mes péchés? Est-ce que je me suis détourné de mes péchés? Est-ce que je peux apparaître dans la présence de Dieu tel que je suis? Avec ce vêtement souillé sur ma vie? Mon frère, ma soeur, c'est le salut n'est pas un acquis. Un acquis pour dire que c'est fini. À la veille, tu peux perdre le salut. Quand je dis que perdre le salut, ça veut dire quoi? Détourner de Dieu et périr complètement après avoir fait de grandes choses. Je préfère qu'on se parle clairement. Bah, les petits messages qui flattent les gens, laissons-les de côté. C'est important que nous comprenions ces choses. Alors, mon frère, ma soeur, et Ézéchias a plaidé. Il a commencé point par point, argument par argument. Dieu l'écoutait attentivement. Dans le cœur de Dieu, ce n'était pas vraiment un bon désir que se tombe la mort comme ça. Et parfois, Dieu permet ces choses-là pour nous réveiller, pour que nous sortions de notre fausse et assurance. Et il est sorti de sa fausse assurance. Et maintenant, ce qui va frapper, ce qui va amener Dieu à écouter attentivement Ézéchias, c'est quand ce qu'on va lire maintenant, 38 versets, donc ce qu'il a présenté tout à l'heure là. Dieu est sensible à cela et c'est ce qu'on va voir le mois prochain. Il est sensible à cet argument. Il dit à Dieu, après avoir plaidé, confessé ses péchés, il élève la prière dans la ferveur. Il n'a pas commencé par ça. Ça, c'est vers la fin de sa prière qu'il il va le dire. Il dit à Dieu, mais ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Écoutez, frères et sœurs, regardez comment un homme connaît Dieu et il va passer maintenant de ses lamentations, de ses larmes, et il va commencer à toucher Dieu dans sa personne, dans son caractère. N'oubliez pas que c'était un petit-fils de David. Il a appris beaucoup de choses avec lui. Il ne sait pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. C'est-à-dire, il dit à Dieu, mourir là, ce n'est pas là le problème. Mais Seigneur, il est en train de plaider quelque chose d'important. Il dit, mais si je meurs, il n'y a pas de problème. Mais ma mort là, ne va pas
pas te célébrer. Ma mort ne va pas te louer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Ils n'espèrent plus en ta fidélité. Est-ce que nous comprenons? Il n'espère plus à ta fidélité. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le vivant. Regardez comment un avocat, il argumente la chose. Il a montré que les morts ne peuvent pas célébrer. Il dit, il est en train de dire à Dieu, c'est-à-dire, si tu me laisses vivant, ce que tu aimes là, et que j'ai appris de mon père, de mes grands-parents, et si je reste vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Et dit, si je reste vivant, Seigneur, je te promets deux choses. D'être un adorateur, d'être quelqu'un qui va te louer et qui va apprendre à ses enfants la fidélité. Quelle que soit la situation, nous ne devons jamais prendre nos enfants, on doit les corriger. Les enfants peuvent ne pas écouter. Mais le père et la mère doivent être tout le temps justes avec leurs enfants. Si vous faites cette erreur de prendre vos enfants comme des œufs, ils vont se casser sur votre propre tête. Que l'enfant se perde à cause de ses propres actes et que les parents ont parlé, ça, ça le regarde. Mais nous devons avertir les enfants. Nous devons leur dire que s'ils meurent dans ça, là, c'est ce qui les attend, c'est l'enfer. Et nous devons dire aux enfants, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Va faire ça. Va faire ça. Va faire ça. Va faire ça. On doit aimer les enfants, mais on doit leur dire la vérité. On doit leur dire la vérité. On doit dire la vérité à son mari. On doit dire la vérité à sa femme. On doit dire la vérité à sa maman. On doit dire la vérité à son papa avec respect. On doit dire la vérité. On doit dire la vérité. C'est ça qui sauve. Ça sauve. Parce qu'en ce moment-là, il y aura le sang de personnes versées sur tes mains. Ni de tes enfants, ni de ton mari, ni de ta femme, ni de personne. Tu pries pour eux, tu les avertis, tu pries pour eux, tu les avertis, mais ils ont une volonté. Et cette volonté, ils doivent l'utiliser. Tu ne peux rien faire quand un enfant a dépassé 12 ans. C'est la période où l'enfant devient indépendant spirituel. Ses actes sont comptés directement. Tu ne peux rien faire en tant que père ou mère. C'est à 12 ans que Jésus a déclaré son indépendance. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il n'a pas hésité pour leur dire cela. Faites attention de prendre un enfant comme un œuf. S'il se casse, il se casse sur ta tête. Ça, c'est important que je vous dise. Il ne faut jamais donner raison à un enfant. Beaucoup de parents ont été ridiculisés à l'école. L'enfant est venu de l'école, il a fait des bêtises, il est venu dire, ah, le maître m'a fait ceci, le maître m'a fait ça. La maman ou le papa sont allés vite aller voir le maître quand ils sont arrivés. Il dit, ça fait 10 jours que votre enfant ne vient pas en classe. Maintenant, vous allez dire quoi? Ah, mon enfant est avant-dernier de la classe. Pourquoi? Dis, monsieur. Regardez le cahier. Hey, au moment des compositions, votre enfant a fait l'école missionnaire. Il ne venait pas en classe.
Il n'avait composé que dans deux matières. Alors regardez, faites le nombre de points. Faites la moyenne. Il a combien? Deux. Alors, il va être quelième. Il est avant-dernier. N'allez pas vous mettre dans les endroits où vous allez aller dans la tête baissée. L'enfant, c'est Dieu qui vous l'a confié. Vous l'élevez. Ce n'est pas votre enfant. Si vous faillissez dans ça, vous permettre à l'enfant d'aller en enfer. Vous allez suivre votre enfant. Si l'enfant va en enfer, il dit non à la maman. Il dit non à Dieu. Votre cœur est tranquille. Un bon entendeur. Salut. Bon entendeur, salut. Apprenez à connaître la parole de vérité. Arrêtez les sentiments inutiles envers les uns les autres. Le sentiment ment toujours. C'était quelque chose qu'on sent et ça ment. Alors, mon frère, ma soeur, Ézéchiel est sorti de ses sentiments. Ézéchiel sait que son grand-père David a dit que Dieu habite dans la louange de son peuple. Après avoir confessé son péché, il argumente la prière et fervente d'Ézéchiel, c'est argumenter concernant la louange. Il dit, mais Dieu, mais si je meurs, moi je suis un pratiquant de la louange. J'aime te louer. Mais un mort peut te louer. Écoutez, frères et sœurs, sa prière a été tellement efficace, puissante, avant que Esaïe n'arrive dans la cour de l'école, Dieu rappelle Esaïe, le prophète. Il n'a jamais vu une prière aussi efficace et rapide. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me connaît et qui a tellement argumenté en quelques mots et qui a touché mon cœur. Parce qu'il n'y avait pas le temps, on te dit de préparer toi à mourir. Le prophète qui a parlé en train de partir. Il faut maintenant la connaissance de Dieu. De savoir qui est Dieu. Qu'est-ce qui peut toucher Dieu? Quelle est la prière fervente qui peut monter rapidement, toucher le trône de Dieu et revenir rapidement? C'est ça qu'Ézéchiel a fait. Avant qu'Ésaïe ne quitte la cour intérieure, la cour de l'école primaire, là, Dieu l'a fait revenir. Je n'ai jamais entendu aussi une prière puissante. Une prière qui a ébranlé le ciel. Il retourne le dire. Que j'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. Les deux choses. J'ai d'abord entendu ses prières et j'ai vu ses prières mouillées de larmes. La miamta anita manzaka sa pousse. Ce n'était pas des larmes d'hypocrite. La pas nyebernintam. Mais c'était des larmes sincères. Là, y a poupée, qui vient de ses entrailles. Nyada qui vient de sa profondeur. J'ai été touché par ça. Mon trône a été touché. Dis-lui que je vais ajouter 15 années à sa vie. La prière fervente est toujours efficace. Elle a toujours un résultat clair. La prière fervente atteint toujours son but et ramène la chose pourquoi. La prière fervente est un tireur d'élite qui tire sur le gibier. Qui atteint le gibier et il prend le gibier. Mon frère, ma soeur, la prière fervente du juste, ce n'est pas la prière du cowboy de second tour qui tire dans les salons
en l'air sur le plafond. C'est un tireur d'élite. Il met le fusil de la prière à son œil. Il ajuste. Ferme l'œil. Il regarde. Il appuie sur la gâchette. Quand il a appuyé, et il voit. Il voit. Donc ce téléphone l'a abattu. C'est ça la prière fervente du juste. Elle a une singulière puissance. Une puissance foudroyante. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Si tu pouvais comprendre ces choses-là, ça va t'aider. Alors Satan, sachant cela. Faites mon message pour moi-même maintenant. Faites mon message. Continuez mon message. Satan, sachant que la prière est fervente et efficace. Qu'est-ce qu'il va faire? Dites-moi mon message. Donnez-moi la suite de mon message. Il va faire quoi? C'est une logique là. Dans un combat, ton adversaire a des armes puissantes et tu ne peux pas faire confrontation directe. Tu vas faire quoi? Tu vas pratiquer la guérilla. Tu vas pratiquer les pièges. Tu vas pratiquer des tactiques. Oui ou non? Puisque face à face, tu es vaincu. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à mettre des pièges. Tu vas chercher à mettre des mines antipersonnelles. Les mines personnelles pour les gens. Quand tu poses ton pied, tu sautes. Tu vas faire toutes sortes de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, la guerre qui est là n'est pas une guerre géométrique et normale. C'est pourquoi les canons ne suffisent plus aujourd'hui. Non, celui qui est à côté de toi là, c'est ton adversaire qui est là. C'est une guerre asymétrique. Satan est le spécialiste des guerres asymétriques. Et si vous prenez garde à ça, il vous crée des problèmes. Il fait des guerres asymétriques. Et il n'a pitié de personne. Il n'a pas pitié des enfants. Il n'a pas pitié des grandes personnes. Il attaque tout le monde. Il attaque tout le monde. C'est ça le problème. C'est ça. Alors quand on comprend ces vérités, on commence à faire attention. Quelle est ma vie de prière? Quelle est ma vie de prière? On va voir simplement ce soir, ce matin là, quelques tactiques qu'il utilise. Des tactiques qui sont là ce matin simple, de façon simple. Alors pourquoi? Et un jour, Dieu dit à Satan, pourquoi est-il si agité? Pourquoi tu es agité? Satan n'a jamais de repos. C'est l'activiste notoire le plus connu sur la terre. Dans certains pays, on dit qu'il rôde. On dit qu'il tourne. Dieu lui pose une question un jour. Il dit, Satan, d'où viens-tu? Quand Dieu vous pose une question, ça veut dire qu'il n'est pas au courant. Attention. Quand Dieu te pose une question, tu as intérêt à lui dire la vérité. Tu as intérêt à lui dire la vérité. Ok. Même Satan a eu intérêt à lui dire. Dieu dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre et de faire ce que je veux. Il a parcouru la terre et il m'a promené. Dieu dit, toi tu te promènes sur la terre, tu parcours la terre. Je sais ce que tu veux. Tu veux mon homme là qui s'appelle Job. Mais Dieu, Satan dit, mais c'est normal. C'est normal. Parce que ses prières, Job en pousse. Ses attitudes, Azob yele mansam, ses actes, Azob Thomas. Quand ses enfants pêchent, à comment man yele wena, il les appelle, à bonda kwamba, il les dit vous avez péché, yele mara yele wena, et il les sanctifie, en yele kwamba.
Quand je vais pénétrer dans sa maison, je vais l'attaquer. Je viens trouver qu'il a appliqué le sang. Ah, cet homme-là, on ne sait pas pourquoi il est comme ça. J'ai rôdé pendant des années autour de lui. Pourtant, je vois ses enfants qui font des bêtises. Quand il dit cette fois-ci, on va aller. Je n'ai pas trouvé que papa Job a crié à Dieu. Il a fait un sacrifice, il a mis le sang sur ses enfants pour que leurs péchés soient pardonnés. Et c'est impossible que j'attaque. On n'a pas dit que les enfants de Job étaient parfaits. Parce que lui-même l'a dit, ses enfants ne sont pas parfaits. Mais Job dit, je connais les enfants. La Job est ma même quand ils sont entre eux, mes propres enfants, les filles, les garçons, là, même entre eux, là, ils pêchent. En parole, en attitude. Entre eux, parfois, ils se bagarrent. Et ça crée un problème dans notre protection. Pour que l'ennemi ne puisse pas pénétrer, Job criait, il pleurait, et il priait et il aspergeait le sang, il fait des holocaustes. Dans la version amplifiée, il dit que tu as tracé, Satan dit, tu as tracé une haie vive de protection autour de lui et de sa famille. Attention. C'est le père, la prière du père. Il y a pas pour cela ou tout. Ah, faut pas dire non, on n'a pas dit ici que Dieu a dit ouais bon, si les enfants font n'importe quoi, les pères non pas lui, parce que le père a agi. Le père a prié. Le père s'est humilié. Le père a fait ce que Et n'oubliez pas que le Père a pratiqué ce que Moïse a dit. Dieu a dit à Moïse dans Exode 12, Exode 13. C'est ça qu'il a fait. Et c'est pourquoi, tant que Dieu n'a pas lui-même donné la permission à Satan pour attaquer Job, il ne pouvait pas. Parce que Pierre dit qu'il rôde, Satan rôde. Il rôde autour de nous. Il rôde autour de qui? Quand on dit qu'il rôde autour, il rôde autour de qui? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde autour de qui? De ceux qui ont décidé de lui résister par la prière, par la justice, par des actes de justice. Satan ne rôde pas autour de gens qui sont déjà des proies dans sa vie. Satan n'a pas qui sont des proies pour lui. Non. Les chrétiens qui sont des proies, Satan ne rôde pas autour d'eux. Satan ne rôde pas. Comme aucun voleur n'a jamais rôdé autour d'une case ronde. Le voleur ne rôde pas autour d'une case ronde. C'est un monsieur aussi pauvre que moi. Qu'est-ce que je vais faire autour de sa maison? Le voleur rôde parce qu'il rôde cherchant des trésors que Dieu a mis dans le juste. Et ces trésors-là, c'est la sainteté, c'est la vérité, c'est la justice. C'est tout. Il rôde pour voler ces choses-là. Mais ces choses-là sont protégées au moyen de la prière. La bonne kanga. Au moyen de la prière. Satan, frère et sœur, Satan ne rôde pas autour de l'argent de quelqu'un, jamais. Lui-même, il rend riche les gens. Écoutez, ça n'embête pas quelqu'un et ça n'embête pas Satan que vous ayez de l'argent, ça ne l'embête nulle part. Ça ne l'embête pas. Il rend les gens riches partout. Satan rend les riches. Ou bien, vous ne les voyez pas, non? Il leur offre toutes sortes de facilités. Sinon, pourquoi le monde va suivre Satan? Pourquoi le monde le suit?
Je ne parle pas en Afrique. Bah, les suiveurs africains de Satan sont tellement choses qui sont tellement pauvres. Je parle des suiveurs qui sont dans, en Occident là. Afrique, ne me dis pas Satan, bam le bien. Non, je ne suis pas en Occident. Moi, je fais le monde entier, je vois tout le monde. Occident, même qui le dit ne guille, ne va faire quoi. Les suiveurs de Satan en Afrique sont dans la classe inférieure. Pour un certain Afrique, bam, mais vous ne pensez pas la bise, ne pensez rien. Non, c'est moi qui suis. Il les rend pauvres, il les tue. Voilà, t'inquiète, blé, bernang, ça va. Pourquoi mes voix t'inquiètent, t'inquiètent. Les suiveurs en Europe là, ils les rendent riches, ils les rendent prospères. En pour mes Europe là, qui n'aime pas me harcier, qui ne sait pas. Barque de quoi? Comprends? Où me l'amène? Il est béni. À barque de l'amour. Il est béni. Et n'importe quoi barque. Ina, si c'est ça. Hein, yawa. Satan ne rôde pas autour de votre voiture. Satan pas guillem ni un mobile. Votre voiture l'intéresse pas. Ni un mobile papa qui parle de votre maison l'intéresse. Ni un mobile bien papa. Ni vos comptes en banque. Ni un guillem bien papa qui. Non. Aïe. C'est pas ça. Parendawa. Satan rôde. Satan guillem d'ami. Le revêtement de justice. Tel ma fou fou y est là. La sainteté, la vérité. Guillem la sining fontara. L'humilité. L'obéissance. Ce que Dieu a déposé, la nature de Dieu. L'amour, la joie, la paix. Le fruit de l'esprit. C'est ça qu'il veut voler. C'est ça qui l'intéresse. Le reste ne l'intéresse pas. Combien de milliardaires sont là et ils ont de l'argent? C'est qui les a rendus riches? C'est Satan. Milliardaire quand il croit leur pas Satan là. Satan ne s'intéresse pas à l'argent de quelqu'un. Satan a tout pas besoin de liquide ouais. Puisque lui il en donne aux gens. Il est même content de baba. Fais attention à ça. Mais vous en êtes quoi? Ne nous leurrons pas pour ça. Il d'abord remercie les ingrédients. Ah oui, mais Dieu m'a béni, m'a donné un. C'est quelle bénédiction? Barque Boko. Toute bénédiction qui ne part pas au ciel. Barque ou que barque. Tu n'utilises pas aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup de gens dans le monde là. Dieu les a rendus riches. Mais ils vont garder leur argent dans les comptes bancaires. Jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est tout juste avant leur mort. Ils vont faire un testament. Pour dire après ma mort, donner ça aux veuves. C'est trop tard. Donner ça aux pauvres. Ça ne peut plus influencer ton futur. C'est terminé pour toi. Tout l'argent que Dieu te donne sur la terre, que tu n'utilises pas, et qui reste après toi, mon frère, c'est ceux qui sont derrière toi qui mangent. Un point, c'est fini. Donc, gardez l'argent là. Donc, vous attendez que ça soit bien temps. C'est une erreur fondamentale. Une erreur fondamentale. Frères et sœurs, c'est important que nous comprenions. Donc, il rôde. Il rôde pour faire quoi? Mon frère, ma sœur. Pourquoi? Parce que la veuve nous a dit dans Luc 18 qu'on a déjà vu ça le mois passé. Pourquoi tu es un Luc Pilé Nizoya là? Il est dit écrit là-bas que le juge unique qui ne voulait pas résoudre le problème de la veuve là. La veuve a joué le rôle même de Satan. C'est lui qui rôde, elle qui rôdait autour du juge maintenant. À tel point que le juge a dit, je vais résoudre son problème parce qu'elle me casse la tête. Alors ça veut dire quoi? Les termes que le juge a utilisé là, prenez ça au sérieux, je vous ai dit le mois passé. Le juge nous révèle que les prières cassent la tête de qui? Des injustes et de Satan et des démons. C'est pourquoi, pour ne pas avoir la tête cassée, ils vont t'empêcher de prier pour avoir la paix. Il y a des erreurs que les gens font dans le monde. Je vais vous le montrer tout à l'heure là. Ils croient que la prière, c'est ceux qui manquent des choses. Je vais te les montrer. Tu ne veux pas mandat d'une pour obtenir des pouces. Nous n'avons pas adapté dans certains pouces. Non, oui, il faut un petit peu. Alors, Jésus priait là. Jésus était malade. Jésus la pauvre. Mais Jésus il barbare derrière là. Il était pauvre. Jésus la non sable là. Il était maudit. Alors, tu comprends que pourquoi cet homme l'a prié? Pourquoi il priait?
Si tu penses que la prière c'est pour les pays pauvres, qui vous a dit ce mensonge? Qui est plus riche que l'autre? Qui est plus riche? Alors mon frère, ma soeur, Satan cherche, sachant que la prière des chrétiens lui casse la tête, lui rompe la tête. Comment va-t-il faire pour que ces gens ne conspirent? Tu n'as pas entendu ce terme là parfois? Certains maris disent, mais bon, pour que ma femme ne me casse pas la tête, je vais résoudre son problème. Faut bien un enfant, oui ou non? L'enfant vient, maman, donne-moi ça. À la fin, elle dit à son papa, hey, donne ça là pour que l'enfant ne nous casse pas la tête, oui ou non? Oui ou non? Vous n'avez pas entendu ça? C'est ça que la veuve a dit? Alors, on vous donne une arme puissante entre vos mains pour casser la tête de Satan, vous ne voulez pas. Et vous voulez faire quoi? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Une veuve. Pour quoi? Elle arrive à casser la tête d'un juge. En train de à le mettre mal à l'aise. En quitter ma panne à l'empêcher de dormir. En elle piquait le juge partout. Encore beaucoup zigafan. Et le juge a résolu son problème. Tibo kauda notre Seigneur nous dit. Tondo. Si je vous ai donné la parabole de cette veuve là avec le juge unique. Maman koyamba yel bunkanga ne pokon et je vous ai dit, toujours prier sans cesse. C'est de votre prière. A un effet puissant sur Satan. Aman de bumtar panga Satan azu. Même s'il n'a pas envie, il va lâcher à cause du fait que vous l'avez importuné. Je pose la question. As-tu compris ça? Nous sommes là depuis 2 mois, nous prions. As-tu compris ça? As-tu compris cela? As-tu saisi cela? Mon frère, ma soeur. Autre tactique de Satan. Mon frère, il est important. Satan joue à un genre de pompier pour éteindre tous les feux de la prière des justes partout. Satan sait qu'il ne peut pas dévorer un chrétien bouillant dans la prière. Si Satan ne peut pas empêcher, mon frère, ma soeur, les chrétiens de prier, maintenant on va voir d'autres tactiques qu'il va utiliser, ce que nous allons voir maintenant. S'il ne peut pas t'empêcher de prier, il a essayé de t'empêcher et tu continues de prier. Quelle tactique va-t-il utiliser maintenant contre ceux qui prient? Écoutez ça aussi, vous qui priez. Il va les empêcher de faire des prières victorieuses. Il va les laisser faire beaucoup de bruit. Ce qu'ils appellent prière là. Et en ce moment-là, il se tient tranquille. Il va dire aux esprits là, laissez-les faire du bruit. Puisqu'il croit que la prière, c'est de faire du bruit. Laissez-les faire, puisqu'ils n'auront jamais de résultat. On dit la prière fervente. C'est ça qui est efficace. On n'a pas de prière pour prier. Prier sans but. Prier sans objectif. Prier sans connaître la volonté du Père. N'aboutit à rien. Alors maintenant il va s'attaquer aux prières. Ceux qui prient. Ils sont prêts, ils sont là matin, midi, soir. Ils prient dans leur vie matin, midi, soir. Regardez, frères et sœurs. Regardez les groupes de prière dans nos nations. Comment les gens vont prier 5 heures, 6 heures.
Et quand vous les regardez, vous ne voyez pas de changement qualitatif dans leur vie. Premier niveau de prière, empêcher que les gens prient. Là, ils tuent leur vie de prière. Deuxième niveau de prière tactique et de tactique de Satan, c'est de laisser les gens qui prient là continuer à prier. Mais les empêcher d'avoir des prières victorieuses. Ah, il atteint le même but. Ceci ne prie pas. Cela prie. Même résultat. Alors, c'est pourquoi on parle la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. C'est ça. Mon frère. Et c'est quand j'ai noté quelques idées pour que nous puissions voir. Alors, quelles sont les tactiques pour rendre inefficaces les prières des gens? On dit la prière fervente, c'est ça qui est efficace, qui est puissante. Pour ce niveau, on a prôné sous le fente à l'ouenengwa. Pour les deux groupes que nous venons de voir, ceux qui ne prient pas et ceux qui prient là, qu'est-ce qu'il va dire? Quels sont les arguments qu'il va avancer pour les convaincre que réellement la prière n'est pas une bonne chose? Un des arguments, il va dire, écoute-moi, Dieu ne va pas t'écouter car tu as péché. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Tu n'as pas dit dans Jean 9, l'homme aveugle là, qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. Parce que c'est un argument qu'il avance. Et la plupart des chrétiens sont découragés. Tu n'es pas pécheur. Tu es enfant de Dieu. Et on te dit que si il t'arrive de pécher, confesse ton péché. Dieu est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier. Toi, tu laisses Satan te dire que Dieu ne veut pas t'écouter parce que tu as péché. Et à cause de ça, tu te décourages. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu ne crois pas de toi. Puisque Dieu t'a donné une porte de sortie. Que si tu pèches, tu confesses ton péché. Lui, il est fidèle. Il est juste pour te pardonner, te purifier. Tu as péché. Satan te dit que Dieu ne veut pas t'écouter. Rie à son nez. Ouvre un Jean 1, 9 et montre-lui ça. Dis à Satan qui est dans ton dos là, assois-toi sur une chaise. Tu ouvres la Bible. Tu lui fais lire un Jean 1, 9. Lis ça, Satan, lis. Qu'est-ce que tu écris? Quand il a fini de lire ça, il lui dit, lis un Jean 2. Il est écrit quoi? Que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, t'es un menteur. Et que nous avons un avocat auprès du Père qui est victime expiatoire. Ça, c'est 1 Jean 2, 1 maintenant. Et regarde, la victime expiatoire est en même temps actuellement mon avocat au ciel. Je reconnais que j'ai péché. Je confesse mon péché. J'avoue mon péché. Je me détourne de mon péché. Et maintenant, je reçois le pardon des péchés. Et Satan va mettre sa grande queue entre ses pattes et il ne va pas te délaisser. Mais il vous dit ça, vous vous asseyez, vous êtes triste. C'est comme s'il n'y a pas de porte de sortie pour vous. C'est parce que vous aimez pécher, vous aimez le péché que vous ne voulez pas sortir. On te donne une solution qui est devant toi. Combien d'entre vous sont dans ce piège-là? Il y en a plein. Il vous accuse. On dit qu'on l'appelle l'accusateur. Quelqu'un vient vous accuser. Réfutez l'argument.
Il vient vous accuser. Montrez-lui la solution. Repoussez-le simplement. Tous y ont tellement de yam, on a mon coin yam sonning away. Comment pouvez-vous vous laisser maltraiter comme cela? On te donne un bassin d'alta, un namar yamba auto. Vous avez dit, j'ai vu quelqu'un qui va en justice comme victime. Yam 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 aucune partie. Je dis, j'ai un king pour te connaître. Mais donnez-lui votre dossier. Donnez-lui votre péché. Avouez-le. C'est pourquoi l'avocat vous dit de plaider coupable ou non coupable. Mais Jésus vous dit toujours plaider coupable. Je suis là pour vous défendre. Plaider coupable. Plaider coupable. Reconnaissez que vous avez péché. Ne soyez pas hypocrite. Avouez votre péché. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de cacher votre péché. Parfois vous croyez que vous cachez. Est-ce que quelqu'un peut cacher son péché? Il n'y a rien de caché. Rien. Tous les vides là, c'est l'œil de Dieu. Rien. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Mais rien. Ça c'est. Non, rien. Bah oui. Faut éviter. Vous aussi, de cacher vos péchés. Tu seul qui est loin. Si vous cachez vos péchés, écoutez-moi. Quand tu pêches là, un démon a vu, non? Faut voir mani l'on est zini yala. Oui ou non? Zini guess quoi? Il n'a pas téléphoné à Satan. A pas téléphoné à Satan là. Il n'a pas téléphoné à Satan. Un téléphone à toi faut y aller. Ou bien? Dis-moi. Il n'a pas dit à son patron? Appelle le patron. Oui ou non? C'est bizarre. Son patron n'a pas écrit ça dans son livre. Patron pas goulé sur le pont derrière là. Ok. Ok. Continue. Quel est quel taux? Ok. Vous flattez vous-même. Niambirgra mengetole. Ok. Aïe. Très bien. Babiga. Soma. Même dans ton téléphone là. Bah faut téléphone là pourquoi? Ton téléphone là. Ton téléphone là même. Que tu as l'habitude d'envoyer. Non, tu ne parles pas au garçon. Ta femme est là, tu te caches. Faut pas avec elle, vous seul. Tu envoies des petits mots à quelqu'un. Un jour, tu vas appuyer. Le mot que tu as écrit là. Tu vas appuyer ça. Ça va dans le téléphone de ta femme directement. Faut pas dans bang, ouais. Faut nous gagner ça, mais faut pas le téléphone pour là. Non. Écoutez. Quel rien. Si tu pêches. Pêche. Mais ne crois pas que personne n'est au courant. Ne crois pas que le diable n'est pas au courant. Ne crois pas que quelqu'un ne t'a pas vu. Voilà, frère. Faut pas aller dans Babiga. Ok. Aïe, ouais. Parce que les gens se taisent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Faut faire attention. Satan te dira. Il dit regarde. Elle, toi, tu veux prier? Faut regarde là. Comment tu es. Tu as convaincu ton péché. Mais tu es péché. Mais Dieu n'a pas encore pardonné. Dieu n'a pas pardonné. Ce que tu as confessé là. Est-ce que tu sens la paix? C'est vrai, je ne sens pas la paix. Donc Dieu n'a pas pardonné. Attends d'abord que Dieu pardonne avant de prier. Tu attends 3 jours. Faut qu'on l'aille matin. En train de dire Seigneur, pardonne. Je sais pas quoi, Souli. Pardonne Seigneur. Quoi, Souli, sois pas. Pardonne Seigneur. Quoi, Souli, sois pas. Satan te fait souffler. Satan a voilà le feu. Est-ce que tu sens la paix? Faut t'en laisser laver. Tu as la paix? T'en laisser laver. Non, non, non. Aïe, aïe. Donc, ça veut dire que quoi? Là, tu m'entends pas. Que Dieu ne t'a pas écouté. Moi, n'am, n'am pas ne prie pas. Continue à confesser. Quel l'encoût, moi, n'am Souli. Confesse encore. Le tour c'est loin là. Seigneur, je sais pas. Pardonne-moi. Je veux plus le commencer. Satan dit, il faut t'agenouiller. Hey, agenouille-toi.
Maintenant, Monsaya, va à genoux. Yigimdi. Mais à genoux toi. Eh, yigimdi. Eh, qu'est-ce? Maintenant, Monsaya moi. Un bon confesseur. Va sur ses genoux. Allez. Allez. Ken wa bwanga. Confesse. Confesse. Mama mane. Confesse. Confesse. Mama mane. Mama mane mkote suguri. Confesse. Lorsque comment un homme comme ça peut avoir une prière efficace? Et des multitudes de chrétiens sont troublés ainsi. La chrétienne de tous teka en jour n'y a pas pourra. Il n'a aucune assurance. C'est pour quand on parle de prière, il ne peut pas prendre plaisir à la prière, ils sont condamnés en permanence. D'autres tactiques de Satan. Satan les man, boum, ne ouais. Prie pas encore. Hein, dans le pousse, quoi. Car Dieu est en colère contre toi. Guess it, moi, ça, ouais. Faut y aller, on est le pou, ne faut. Si tu ouvres ta bouche, il va te frapper. Dieu n'est pas encore apaisé. Hein? Reste tranquille. Ne prie pas. Pousse, même, quoi. Dieu est en colère contre toi. Sous le pou, ne faut. Il est en colère contre toi. Oui, n'aime sous le pouvoir des fois. Alors, comment quelqu'un qui a Dieu en colère contre lui peut-il prier? Il y a un tout n'aime, oui, n'aime sous le pouvoir là. Attends le pouvoir, oui, n'aime tout, oui, n'aime zin gougou n'attend là. Puisque le Dieu qu'il va prier là est déjà en colère. Oui. Comment va-t-il aller parler au Dieu qui est en colère contre lui? Oui, oui, n'aime ni n'attend pouvoir sous zin yikane yenda. Oui, tout l'attend tu gomne sous bangle. C'est pourquoi les gens ne prient pas. Il y en a qui ne même pas les pour eux. Quand je regarde la vie de beaucoup d'entre vous, je sais pourquoi vous n'aimez pas la prière. Je sais. Mais moi, votre cœur n'est pas tranquille. Ton sourire pas ta la fine de menga. Rencontrer Dieu, c'est Rwende. Mon ami, nous avons. Lui, il est mon ami. Bam ya même joie. Tant qu'il n'y a pas de problème entre nous, j'ai toujours la joie d'aller les rencontrer. Il a la joie de me rencontrer. Parce qu'il n'y a rien, aucun nuage entre nous. Mais si un jour je m'assois quelque part, je le critique, je le diffame, même s'il n'est pas au courant, le fait que je l'ai diffamé et j'ai parlé mal, ce jour-là, ma femme va me dire, tu ne parles pas chez ton ami aujourd'hui. Non, bon, tu sais, bon, moi-même, je m'en vais tout le temps là-bas. Lui, il ne vient jamais chez moi. Ton cœur te condamne. C'est pourquoi tu ne veux plus aller là-bas. Alors, un homme qui n'aime pas prier, c'est parce qu'il a parlé mal de Dieu. Il y a quelque chose dans son cœur qui fait qu'il ne veut pas aller chez Dieu parce que il ne veut pas que Dieu pointe son doigt sur son péché là, qu'il ne veut pas lâcher. Quand on parle de péché là, on ne parle pas de péché vulgaire, de péché comme l'adultère. Non, des petits trucs. Tu comprends? Pas où là? Regardons d'autres tactiques que Satan utilise. Et là, il est spécialiste de ça. La hein? Il s'arrête. Dis, tu vois? Tu as commis le péché impardonnable. C'est fini. Faut man yelwening sur un patin quoi soba ça foyinga. Tu n'as pas vu dans la Bible, on a dit? Tu n'as pas vu que le péché est impardonnable? Et c'est fini pour toi. Ça fait une fois, faut là. Et tu ne sais pas qu'est-ce que le péché impardonnable. Faut que et tu obéis. Allez, mais il faut. Si je vous pose la question, quel est le péché impardonnable? Il y a rare d'entre vous qui peut le dire. Maman, Satan te trouve avec des idées comme ça. Satan a des tâches à auto. Un jour, un jeune homme avait fait. Était dans le péché. Et il a voulu aller donc se réconcilier avec Dieu. Alors, ce jour-là, son cœur le grondait. Et il se promène dans les rues. Et il a vu une église. Une église évangélique. Alors il est rentré et il s'est assis au dernier rang donc dans l'église. Attendant que vraiment le Seigneur
lui donne une parole pour le conforter parce que son cœur le grondait. Il est arrivé ce jour-là au moment où le pasteur lisait un passage dans Hébreux 6, verset 4 à 6. Car il est impossible. Et puis le pasteur a pris ça avec solennité. Le pasteur a dit, car frère, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amen, à la répentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Le pasteur a fini de dire ça. Vous voyez, le petit qui était assis derrière là, Satan dit voilà. Satan, faut pas là. Tu as entendu, non? C'est fini pour toi. Tu as crucifié Jésus deux fois. Faut que Jésus n'aurait rien. Hein? Il est impossible. Il ne faut pas me secourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Satan, tu perds ton temps ici. Le petit est sorti. Il est sorti. Maintenant, il dit, mais c'est fini pour lui. Dieu ne pardonne pas. Il a fait du mal à ses parents. Il ne sait pas où aller. Il a cherché dans la ville. Il y avait un grand fleuve. Avec un grand pont. Il est parti. Il a regardé partout. Comme c'est dimanche, il ne voit personne. Il est parti se pencher sur... Il s'est appuyé sur le truc du pont. Et l'eau est en bas là-bas. Satan dit, comme il est impossible que tu sois pardonné. Faut pas me suivre, là. Tu as fait du mal à tes parents. Tu es pécheur. Il dit, la seule solution, c'est de plonger dans l'eau là. Et là, tu finis ta vie tranquillement. Ah. En ce moment-là, il y a un chrétien qui passait. Pas sur le pont. Mais de l'autre côté. Le Saint-Esprit lui dit, dans son cœur, de changer. D'aller vers le pont. Il dit non, mais ce n'est pas sa route. Mais il a pris, il est venu vers le pont. Et il a vu ce jeune homme-là, du moins, là, appuyé. Le Saint-Esprit lui a dit, descends vite. Il veut se suicider. Il a laissé sa voiture. Il est venu tout doucement vers le jeune homme. Il lui a dit, mon fils, Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Mais c'était difficile à accepter. Il a continué à avancer tout doucement. Parce que l'enfant voulait se jeter. Donc il parle un peu. Puis il s'arrête. Il dit, le Seigneur t'aime. Et puis il prend autorité sur l'esprit de suicide. Il fait un pas encore. Il dit, le Seigneur t'aime. Il baisse la voix. Il y a l'esprit de suicide. Je te lis au nom de Christ. Il avance encore. Au fur et à mesure qu'il disait ça, il affaiblissait la puissance de Satan sur le jeune homme. Il arrive sur le jeune homme, il l'a attrapé par la ceinture. Il l'a embrassé. Moka. Il a dit, je ne passais pas ici. Je passais de l'autre côté. Et Dieu m'a dit de venir te voir parce qu'il t'aime. Dieu m'a dit, Dieu ne m'aime pas. Je viens de l'église qui est là-bas. Le pasteur a dit qu'il est impossible à ceux qui sont tombés viser la repentance parce qu'ils ont crucifié une seconde fois Jésus. Alors j'ai dit à Dieu de me parler. C'est comme ça que Dieu m'a parlé. L'homme a dit, c'est Satan qui t'a parlé. Il a pris une vérité hors de son contexte et il a balancé. Est-ce que tu as écouté tous les messages du pasteur? Toi, tu es arrivé au moment où tu as entendu sur le frère. Et il a flatté comme cela. Il l'a amené. Il s'est repenti. Il a été délivré. Il ne s'est plus suicidé. C'est ça. C'est ça, mon frère. Satan est toujours en train
de nous empêcher. Il va te dire que c'est trop tard. À quoi bon de prier? Regarde ta vie de prière. Ça n'a pas de sens. Pourquoi prier? Tu as trop péché. Toi, ce n'est pas la peine. Pourquoi tout cela? Frères et sœurs, parce que Satan sait que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il sait, frères et sœurs, que si tu ne pries pas, comme Jésus l'a dit, il dit, si vous ne priez pas, l'esprit est disponible, mais le corps est faible. Vous ne pouvez pas résister. La prière me fait résister face à Satan. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses importantes. Alors, c'est pourquoi Dieu nous dit de venir tout le temps de Hébreux 4, verset 15-16. De venir toujours au trône de la grâce. Parce que nous avons un souverain sacrificateur là-bas qui compatit à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre du péché. Approchons-nous donc avec assurant du trône de la grâce. À travers la prière, venons toujours au trône de la grâce. Déjà, le fait que tu te mettes à genoux devant Dieu, ça va briser cette résistance à la prière. Et c'est important, mon frère, ma soeur. Et c'est pas à travers des prix, on a vu cela le mois passé, des cris et des larmes que Jésus même a été secouru. Si la prière n'est pas importante, pourquoi Jésus criait? Pourquoi il agonisait? Pourquoi il pleurait? Est-ce qu'il priait pour avoir une voiture? Est-ce qu'il priait pour être riche? Non, il y a un ennemi de nos âmes. Dont le but est de nous affaiblir, de nous maltraiter, de nous humilier, de nous vilipender. C'est cet ennemi qui ne veut pas que tu pries. Il va te donner des faux arguments. Tu es trop fatigué. Tu travailles trop. Tu es trop fatigué, mais tu regardes devant la télévision 3 heures. Tu es trop fatigué, mais tu sors pour aller faire des bamboulas. Tu es trop fatigué, mais tu fais des choses qui sont terribles, qui nuisent à ta santé, qui nuisent à ta vie spirituelle. Tu es trop fatigué, mais regarde le temps que tu perds. Satan ne veut pas. Son but est de te détruire. Jésus a amené ses disciples à Gethsémané. Pour prier, il a dit, prier, car la chair est faible, l'esprit est disposé. Il les a amenés pour les entraîner, mais ils n'ont pas pu. Jésus a dit à Pierre, avant il dit, mais Satan t'a réclamé pour te cribler comme de fromage. Je sais que tu ne vas pas prier, mais il va te cribler. Et quand tu vas sortir de ça, et c'est pourquoi, frère et soeur, Pierre a compris qu'il faut prier. La prière n'est pas une affaire. Écoute-moi, autre argument, faux argument. Faux argument, mon frère. Faux argument. Mon frère, il faut t'arrêter chaque fois de dire à Satan, honte à toi. Honte à toi. Moi, je vais continuer de prier. Je ne prie pas pour avoir quelque chose. Oh oui. Et il va te dire, tu as convaincu tes péchés, c'est bien. Mais sache que Dieu n'exauce pas les prières de tout le monde. Hein. Ah oui. Ah, Dieu a des favoris. Il n'exauce pas les prières de tout le monde. Il exauce, il a des favoris. Et toi, tu n'es pas parmi les favoris de Dieu. Ne perds pas ton temps à prier. Dieu cherche les guerriers de prière. Tu es guerrier de prière? Non. Je suis nouveau converti. Tu as vu? Quand tu seras guerrier de prière,
Parce qu'il a mis dans la boue des gens. Que des ministères de prière. Quel est le ministère? Qui a le ministère de prière? Quand tu vas entendre poser tout le on te dit de prier en tout temps. On dit tout le monde doit prier. La Bible n'a pas dit si vous voulez prier. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Tout le monde est censé prier. Le pasteur. Tout le monde est censé prier. Est-ce que Dieu a parlé de guérir de prière? Est-ce que Dieu a parlé de ministère de prière? La plupart du temps, quand ceux qui ne prient pas, là, je vois, c'est terrible. Hein? Ils ont des grandes promesses qui ne s'accomplissent jamais. Dieu leur a révélé des choses sur leur vie. Mais ils ne veulent pas eux-mêmes s'emparer de ça par la prière, la victoire. La victoire sur le péché ne peut pas venir de quelqu'un, c'est toi. Tu dois aller dans la prière devant Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute, parfois il dit, tu sais, la prière, là, on ne peut pas être sûr. Parfois Dieu dit oui, parfois il dit non, parfois il dit attends. Donc tu pries pourquoi? Dieu a Satan, écoute-moi Satan. Dieu écoute la prière de tous les hommes. Je refuse que tu viennes me troubler. Tu n'as pas lu le psaume 65:3? Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Moi, je vais prier. Tu n'as pas lu dans Jean 6:37 que tous ceux qui viendront à moi, je ne les mettrai pas au dehors. Il faut répondre à Satan par la parole. Il est écrit, Dieu a dit. Il faut lui repousser. Il faut lui résister. Il faut le bousculer. Il faut le mettre au dehors. Pousse-le, pousse-le. Ne le laisse pas. Prie. Continue à prier. La prière est le moyen par lequel tu atteins le ciel. Mon frère, ma soeur, c'est important. Satan est un vil menteur. Pour terminer, autre tactique qu'il utilise, l'orgueil. Écoute. Tu sais, une grande dame comme toi, un grand homme comme toi, tu n'as pas besoin de prière. Vous savez, ce sont les faibles. Hein? On entend ça partout. Et malheureusement, dans l'église aussi, on entend. Ce sont les faibles qui prient. Les incapables. Les pauvres. Les malades. Qui prient. Mais pas toi. La pas fou. Quand même. Faut m'y engager. Tu vas prier pourquoi? Faut n'imposer à bord. Tu vas prier pourquoi? Faut n'imposer. Ça c'est un orgueil. C'est un esprit d'orgueil qui est sur toi. Wukumeng sirem be fosu. Tu vas prier pourquoi? Faut n'imposer. Est-ce qu'on a dit qu'on prie pour avoir des choses? Bien de pour emporter là. La prière est d'abord une communication avec Dieu. C'est reconnaître que tu dépends totalement de lui. Et que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi le fils a prié. Il priait le matin de bonheur. Il priait toute la nuit. Il priait à midi. Il priait dans n'importe quelle circonstance. Pourquoi le fils a prié? Est-ce qu'il priait pour avoir quelque chose? Il priait le père parce que lui et le père doivent se, leur communion doit se développer. Comment veux-tu que ta communion avec Dieu se développe sans la prière? Comment tu ne parles pas à quelqu'un? Un homme et une femme dans une maison qui ne se parlent pas, leur communion peut aller de l'avant? Non, mon frère. Non, ma soeur. Alors c'est important que tu comprennes. C'est important que tu comprennes. Les faibles, c'est la prière n'est pas pour les faibles.
posera papa quand on a au contraire, la prière est pour les forts. Il a posera en la prière est pour les gens puissants. Qui domine leur chair, qui domine leur désir personnel, qui domine leur faiblesse et qui se mettent à genoux. Il te dira, Satan te dira, regarde autour de toi, regarde tous ces gens qui sont nombreux qui ont réussi sans prière, qui ont de l'argent. Voici une erreur des gens. Voici, ils ont l'argent sans avoir prié. Attends, je te dis un texte pour terminer. Satan ne te montrera jamais quelqu'un qui réussit. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Il te présentera des gens. Il ne te présentera pas des anciens gars comme Abraham Lincoln qui priait. Il ne te présentera pas des George Washington qui priait. Abraham Lincoln, la George Washington, il ne te présentera pas des Napoléon qui priait. Moi, je te présenter un Napoléon chef, mais qui ne prie pas. Mais mon frère, ma soeur, mais tu ne sais pas que quelqu'un peut grandir. La Bible te dit que ce n'est pas un problème que quelqu'un grandisse, qu'il soit puissant. La Bible te parle de ça et tu n'as pas compris ça encore. Psaume 37, Psaume 37, verset 36. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. J'ai vu. Allons au verset 7 même. Il dit, garde verset 7. Retourne au verset 7 avant de venir à 37. Il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas car ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le verset qui suit, 35 là, on revient au 35 là. Il dit maintenant, j'ai vu le méchant. On ne parle pas des méchants seulement du dehors, on parle des méchants dans l'église. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Il dit, mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Dans un autre passage, il dit que celui qui refuse la parole de Dieu, celui qui refuse de se soumettre là, sa prière même est une abomination aux yeux de Dieu. C'est la fin d'une chose qui importe. Ne regarde pas les gens aujourd'hui parce qu'ils ont telle chose. La Bible dit qu'il les fait grandir comme des arbres. Et ensuite, il les coupe. Quand Nebuchadnezzar est devenu un grand arbre, et les oiseaux du monde entier venaient se mettre sous son ombrage, c'est en ce moment que la voix de Dieu dit, coupe-le et laisse seulement les racines. Le plus grand conquérant de tous les temps, Nebuchadnezzar, l'homme qui a vaincu Israël, l'homme qui a emporté les vases d'or du temple. Il était attaché comme une chèvre autour d'un pieu et il mangeait l'herbe. Dieu l'a laissé exprès pour donner une leçon à tout le monde. S'il l'avait fait mourir, on va dire, ah, Dieu vraiment est chaud. Non. Il a dit, moi le grand roi Nebuchadnezzar,
Dieu dit, ah bon, tu es grand. Ah, oh. Et il dit, ah, couper l'arbre. Laissez seulement la race. Parce qu'il ne priait pas le grand Dieu. Il a empêché les gens de prier. Ceux qui voulaient prier disent non. C'est moi qu'on doit prier. Dieu dit, ah bon, parce que tu es devenu grand. Tu es devenu riche. Je t'ai donné des choses. Et tu tournes tout le monde vers toi. Et tu seras coupé. Tes racines vont rester. Tout. Le monde venait voir le plus puissant roi à quatre pattes comme une chèvre en train de manger. Ah, c'est terrible. Dieu nous avertit. La prière, c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui refuse de plier genoux devant le Père. L'orgueilleux, c'est le pasteur qui refuse de prier genoux. L'orgueilleux, c'est le diacre, la diaconesse qui refuse de plier genoux, qui pense qu'il a tout, qui pense qu'il est saint, qui pense qu'il a ceci ou cela, qui refuse de crier, d'adorer Dieu en posant son front contre le sol. Ce qu'on va voir là, Dieu voulant, le mois prochain. Alors la vie de cette personne ne se termine jamais en beauté. À bon entendeur, salut. Je préfère m'arrêter. Non, et la suite, je vais vous le dire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit sur toi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.